Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Dans un instant, vous allez entendre l'homme le plus tatoué de France. Il a sur son corps plus de 700 heures de tatouage. Mais Nicolas Brulez, il y a un instant, vous écoutiez Fabrice témoigner de son métier d'acteur. Tatoué, mais qui peut aussi jouer des films d'époque parce qu'il a fait en sorte que ses tatouages ne soient pas envahissants ou lui permettent en tout cas d'être caché. Vous vouliez rebondir là-dessus? Oui, je me souviens, mon épouse avait rencontré un réalisateur français qui lui expliquait que c'était aujourd'hui très difficile de trouver de jeunes acteurs de notre génération, on va dire entre 25 et 35 ans, qui pouvaient jouer des rôles d'époque, des rôles du Moyen-Âge, sans tatouage. Ça coûte très très cher à une réalisation, à une production pour recouvrir les tatouages de quelqu'un. Et ça devient effectivement un vrai il y a un vrai blocage professionnel dans certains métiers. Oui. Et pas simplement dans le métier d'acteur, d'ailleurs. Non, il est parfois aussi des métiers dans lesquels le tatouage peut encore être mal perçu. Gumo, est-ce que certains qui viennent vous voir dans votre salon de tatouage cherchent effectivement à planquer un maximum en se disant, voilà, moi je suis dans un métier où je dois être a priori lisse. Oui, c'est quelque chose que j'entends, lisse. Que j'entends depuis plus de 3 ans, même depuis plus longtemps dans mon entourage. Quelles sont les meilleures planques? Après, moi, j'ai un peu du mal à appréhender cette idée de cacher le tatouage, parce qu'en plus, j'ai fait, avant, quand je faisais pas mal d'expositions de peinture, j'étais beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, et chez les Anglo-Saxons, le tatouage est beaucoup plus démocratisé que chez nous. Mais vraiment, enfin, à New York, moi, je me souviendrai toujours, j'étais chez Victoria's Secret et j'ai été abordé par une vendeuse qui avait les mains, les doigts, le visage avec des tatouages proches des tatouages de gang, on va dire, au niveau esthétique. Et voilà, et elle bosse quand même dans un des magasins sur la 5e avenue. France, donc voilà, en France, ça c'est impossible, mais en même temps, les gens n'ont pas la même mentalité, la même approche du tatouage. Donc c'est vrai que c'est. Moi, j'essaye de dire aux gens qui. Voilà, j'entends tout à fait qu'ils ont besoin de faire attention par rapport à leur métier. Après, j'essaie de leur faire comprendre que voilà, faut pas avoir honte de son tatouage. Un message de Jackie, justement, sur Facebook. Le tatouage est un symbole, un message, une pensée, souvent cachée, parfois visible. Il montre à tous et aux très intimes une part de notre personnalité. Ce n'est absolument pas un acte rebelle aujourd'hui, mais bien au contraire, c'est une ouverture aux autres. Alors, il en est un qui peut plus planquer, parce qu'au bout de 700 heures de tatouage, évidemment, ça devient assez compliqué. Bonjour Hervé, merci d'être avec nous. Bienvenue sur RTL. Hervé. Oui, peut... bonjour. Ah, j'étais inquiète. Là, je vous entends pas bien, c'est pour ça, je vous entends lointain. Bah, vous êtes à Marseille en même temps. Et voilà, je suis à Marseille, c'est ça. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous, Hervé. Merci à vous. Donc, j'ai l'honneur de parler à l'homme le plus tatoué de France. 700 heures de tatouage, des tatouages qui se comptent par centaines. Le premier, vous aviez quel âge? Bah, le premier, j'ai commencé, j'avais 16 ans, c'était en 83 par un tatoueur marseillais qui s'appelait Alain. Oui. Donc, c'était une feuille de cannabis sur le pied, et après, j'ai enchaîné, j'en ai fait 2, 3. Et après, par la suite, ça a devenu une passion, et arrivé à 40 ans, arrivé à 25 ans, j'ai décidé de faire un intégral. Ça veut dire quoi, et donc, faire un intégral? Maintenant, j'ai le corps entièrement recouvert de tatouages. Alors, quand on dit entièrement, c'est entièrement? C'est entièrement, le sexe aussi, voilà, complet, sauf le visage et les mains, sous les pieds et et l'intérieur des mains, quoi. Sinon, tout le reste, c'est tatoué. Donc, vous affichez complet, quoi? Oui, c'est un intégral, complet, quoi. Ça doit faire mal, non? Après, ça dépend des endroits. Il y a des endroits que ça fait mal, il y a des endroits que ça fait moins mal. De toute façon, le tatouage, ça fait mal partout, c'est juste la douleur qui est différente à chaque endroit. Et alors, pourquoi on y retourne? Bon, moi, c'est une passion, je veux dire. Bon, j'aime pas la douleur, mais bon, il faut passer par là. Ça fait partie du tatouage. Donc, on est obligé de passer par là. Qu'on soit douillé ou pas, il y en a qui résistent, il y en a qui résistent moins bien. Il y en a qui résistent pas du tout. Ça dépend des personnes. Est-ce que la douleur rend le tatouage encore plus beau et plus agréable quand on le regarde avec le recul? Bon, la douleur, vous savez, personne aime la douleur, à part notre masochiste, mais bon, ça fait partie du tatouage, donc il faut passer par là. Ça dépend des endroits, comme je vous ai dit. Si vous allez le faire sur les côtes, ça fait très mal. Sur le bras, ça fait un peu moins mal. Sur le crâne, ça fait très mal. Sur les pieds, ça fait mal. Alors, pardon, je vous pose la question, mais voilà, fallait pas. Sur le sexe, ça fait très, 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 très mal? Ah oui, sur le sexe, ça fait très mal, surtout sur le gland. Oh là là! Ah bon? On serre les dents, voilà. Oh, bah, j'imagine. Très bien, pardon, c'est vrai que j'ai posé la question, donc vous avez raison d'y répondre. Nicolas Brulez, vous vouliez dire quelque chose? Oui, une question purement technique avec Gumo. C'est pour un tatouage, effectivement, il faut tendre la peau.
Donc là, c'est la même chose là. C'est, oui. Mm-hmm. Allô, Hervé? Oui, oui, il faut tendre la peau, oui. Le tatoueur, il tend la peau, oui. D'accord, ok. Donc, vous avez... Alors, pardon pour la question, je suis désolée, Guillaume, mais enfin bon, ça vient comme ça. Ouais. Vous avez déjà tatoué... Je vous entends très mal. Hein. Je... Non, en fait, je parle à Guillaume. Vous fait. N'avez jamais tatoué de sexe. D'accord, ok. La douleur dont nous parle Hervé, est-ce qu'elle est inhérente au tatouage? On est obligé d'y passer par là? Ça rend le tatouage plus beau? Moi, j'ai toujours entendu dire que si on avait pas mal, on méritait pas son tatouage. C'est ça. Je viens de cette école-là, donc pour moi. On l'entend tous, je crois. Moi, j'ai connu quelqu'un qui se mettait des patchs anti-douleur qu'on met aux enfants avant de se faire tatouer. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'entend aussi. Après, on se bat depuis pas mal d'années contre les gens qui mettent de la crème aussi. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas du. Oui, non, oui, mais voilà, c'est de ça. De toute façon, ça enlève pas complètement la douleur. Donc déjà, c'est inutile. Donc, mais est-ce que vous considérez qu'effectivement, c'est une démarche assez. Après, j'entends ce qu'il dit. C'est sûr qu'il y a des fois, quand on fait des séances de 5-6 heures sur des zones extrêmement douloureuses, on peut. Enfin, je vais pas dire tourner de l'œil, mais c'est vrai qu'on a beau être d'une bonne constitution, c'est pas forcément évident. Fabrice? Moi, ça s'est utilisé une seule fois où j'ai fait une séance de plus de 5 heures, et pour me soulager, la dernière 4 à 5, où c'est du repassage pour bien noircir et tout. Il y a un spray soulageant, anesthésiant, qu'il me l'a fait une seule fois pour me soulager parce que j'en pouvais vraiment plus et qu'il fallait terminer. Mais sinon, ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'essayer d'anesthésier votre peau avant de vous faire tatouer? C'est-à-dire que non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une démarche pure que d'aller souffrir en se faisant tatouer. Ouais. Nicolas? Oui, après, j'ai un ami, Anthony, qui a énormément de tatouages. Il a le torse entier, le ventre, le dos entier. Et aujourd'hui, il part du principe, effectivement, c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec Guillaume, le no pain, no gain. Il part du principe qu'il en a assez bavé et qu'aujourd'hui, s'il veut un tatouage, il n'est pas obligé de passer par là. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, il fait partie de la famille presque. C'est un peu son discours. Et moi, j'entends aussi cette partie-là. Oui, c'est ça, j'ai eu mon quota de souffrance aujourd'hui. Je peux mériter un peu de calme. Mais les gens, en plus, ne réagissent pas tous de la même manière à la douleur. Oui, évidemment. Donc, et puis, c'est une douleur qui est assez unique. Il y en a que c'est plus en plus douloureux, il y en a que c'est moins en moins. La cicatrisation est différente, même d'un tatouage, ça évolue vachement d'un tatouage à l'autre. Moi, je réagis pas du tout de la même manière au premier que maintenant, par exemple. Donc, On va parler de cette douleur unique avec vous dans un instant, poursuivre notre conversation. Hervé, je vous remercie en tout cas pour votre intervention sur cette antenne. Merci à vous. Et merci pour ce soleil sur l'antenne d'RTL. On vous embrasse. Allez, sur vous ce qui embrasse, reste de bientôt, au revoir. Salut Hervé, au revoir. Salut. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Dans un instant, nous allons donner la parole à Virginie qui est tombée dans le tatouage grâce à son nouveau mari. Parfois, il y a des changements d'existence qui font qu'à un moment donné, on s'ouvre à différentes choses et à de grandes aventures. Et le tatouage en est une aventure que vivent également tous nos invités et que vous vivez, vous. N'hésitez pas, il vous reste encore quelques minutes pour nous poster les photos de vos tatouages pour participer au tirage au sort et gagner peut-être une caméra cube de Polaroid. Mais d'ici là, revenons sur la douleur, messieurs. Une douleur extrêmement singulière, en fait. Mais quand une femme accouche, elle réalise qu'elle n'a jamais vécu cette douleur. Et c'est vrai que quand on se fait tatouer, il y a quelque chose de parfaitement inédit. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer, Fabrice? C'est vrai que c'est une douleur unique, c'est une relation avec le tatoueur qui est unique. Aussi, ouais. C'est jamais identique. À chaque fois, c'est la première fois qu'on se fait piquer, on se dit « Ah ouais, ça nous rappelle, j'avais oublié ». C'est une sensation, c'est une relation très 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 étrange. On passe par la douleur pour obtenir une œuvre qu'on a sur la peau et qu'on a envie, qu'on a construite Est-ce que c'est pas la répétition aussi? Alors, je parle pas de tatouage en tatouage, mais la répétition du geste, Guillaume. C'est-à-dire que lorsque l'on fait un tatouage, on fait d'abord le contour et ensuite on le remplit. Et on remplit beaucoup plus lentement une peau qu'on remplit une feuille quand on fait un dessin. Pas toujours. Ah bon? Il n'y a pas toujours de tour. Ah oui, il n'y a pas toujours de tour, mais quand on remplit... On peut faire que de l'ombrage. Le traçage et l'ombrage sont deux sensations complètement différentes. Expliquez-nous. Qu'est-ce que le traçage? Qu'est-ce que l'ombrage? L'ombrage, c'est des brosses, c'est où on fait les ombres. Le traçage, c'est comme un scalpel. Oui. On fait le pourtour comme ça. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, ça fait la sensation un peu comme une coupure. Une petite incision. Sur les tracés, voilà. Et l'ombrage ou le remplissage, effectivement, il y a plus une sensation de brûlure et à force avec le temps de chauffer. C'est pour ça que c'est là où c'est aussi important de faire attention à la peau. Moi, je sais que mon tatoueur qui m'a formé, c'est presque exclusivement ce qui m'a appris, c'est ça, c'est de bien prendre en compte la peau de quelqu'un. Et de savoir s'arrêter aussi à temps. Des fois, mieux vaut de décaler la séance ou reprendre en plusieurs fois plutôt que d'abîmer la peau. Parce que, un tatouage, il peut attendre 3 semaines, 1 mois. La peau, elle va mettre beaucoup plus de temps
à se reformer. Parce qu'il faut préciser effectivement qu'il y a le tatouage et puis après, il y a aussi la cicatrisation qui prend du temps. Il faut se protéger du soleil, il faut se tartiner de biafine. En tout cas, c'était comme ça à mon époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. D'accord, donc tout ça n'a pas complètement changé. Alors, on va accueillir Virginie sur cette antenne. Bienvenue sur RTL, Virginie. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour Flavie. Alors, Virginie, changement de vie, nouveau mari et des tatouages, nouveau départ. Comment ça s'est passé pour vous, racontez-nous rapidement? Ben, j'ai toujours voulu me faire tatouer et je disais, bon, dans ma vie intérieure, je disais, oh ben non, les enfants, le boulot. Et puis, j'ai rencontré la personne qui est mon mari maintenant et je me suis dit, bon, allez, vas-y, lance-toi. Et voilà, c'est fait. Et puis alors donc, vous avez réussi à faire fi des contraintes, les contraintes du regard des autres hein, notamment, et puis vous avez décidé de vous plonger à corps perdu dans le tatouage, à tel point que David, qui est donc votre nouveau compagnon, est très présent, vous l'avez dans la peau cet homme. Voilà, c'est ce que tout le monde me dit, oh bah oui, mais tu te rends compte. Bon, moi j'ai dit, écoute, c'est comme ça, c'est David, il est partout. Oui. Voilà, il est toujours présent, il est toujours avec moi, il est partout. Il est partout, d'accord. Et donc il est où? Alors, il est dans mon dos, en français. Je me suis fait faire une jarretière juste avant notre mariage, sur ma cuisse. On l'a pas enlevé, celle-là? Non, celle-ci, non, on n'a pas réussi. Il est en hébreu autour de mon poignet. Il est en mandarin dans mon cou. Il est ses initiales sur ma fesse droite. Oh, dis donc. Et puis voilà, quoi. Il en a de la chance. Et vous n'avez pas envie de faire d'autres tatouages que David? Non. D'accord, c'est vraiment lui qui selon vous. Alors, c'est important parce qu'en fait on a des visions complètement différentes. Nous on reçoit, vous le savez, sur Facebook, RTL.fr, Twitter, beaucoup de photos de tatouages. Et en fait, certains sont pour les prénoms et d'autres. Alors là, pas du tout. Fabrice, vous portez le prénom de vos enfants. Hein. Oui, parce que mes enfants, je les aurai toujours. Une femme. Voilà. Pas sûr. C'est ce que j'entends tout le temps. Non, personnellement. C'est ce que j'entends tout le temps. Virginie. Non, mais c'est pas. Et pourtant, je suis marié depuis plus de 20 ans avec ma femme, on va faire un tatouage pour nos 20 ans de mariage, mais même elle me dit non, on est à l'abri de rien, on ne sait pas si on va finir notre vie ensemble. David qui était contre, il s'est fait tatouer dans le dos une épée et tout en bas de son épée, il y a de tatouer le prénom Virginie. D'accord. Ah oui, donc en fait, mais ça vaut pour lui aussi. Enfin, vous voyez, je comprends. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes échangé vos prénoms, vous portez chacun le prénom de l'autre. Voilà, tout à fait. D'accord. Il y a différentes façons de faire exister d'ailleurs les personnes que l'on aime sur les tatouages, Gumeau. Oui. Bah, il y a autant de façons qu'il y a de personnes, je dirais. Oui. Parfois, on a quelqu'un qui s'est fait tatouer figue aussi au niveau du cou parce que ça lui rappelait des souvenirs d'enfance, des odeurs et notamment son père. On a El Fenomeno. Alors oui, vous êtes vraiment un phénomène aussi. Mon tatouage représente l'anatomie du cœur placée à l'endroit du cœur. Donc c'est véritablement, si vous allez sur Facebook, vous le verrez, hein, à l'endroit du cœur avec l'empreinte digitale de mon père, le tracé de la fréquence cardiaque de ma mère. Est-ce que ça veut dire aussi que quand vous regardez des tatouages, par exemple Nicolas Brulès, quand vous avez fait votre tour de France, vous avez vu des tatouages qui en disaient beaucoup plus sur celui qui était ou celle qui était en face de vous qu'il ne le voulait. C'est-à-dire, vous sentiez les fractures, les moments de bonheur. Est-ce que c'est un livre ouvert de l'existence? Ah, complètement, oui. C'est ce moment où, en fait, même si on parlait tout à l'heure de l'ambivalence chez les tatoués, entre intimité et effectivement démonstration, si on sait lire un tatouage, si on connaît la culture du tatouage, on arrive à savoir qui est la personne, quelles ont été effectivement ses fractures émotionnelles, quels sont ses moments heureux et ses moments un peu plus difficiles. Oui. Voilà, le corps parle pour nous sans qu'on s'en rende forcément compte. Aujourd'hui, à 46 ans, donc Virginie, vous avez fait 6 tatouages en 5 ans, donc vous avez rattrapé le temps perdu. Hein. Oh, et le plus, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la douleur, je crois que c'est celui que j'ai eu dans le dos qui fait une bonne partie du dos. C'est atroce. Et à chaque fois qu'on retourne se faire tatouer, on dit « Ah, oh, j'avais oublié. Ah, oh, ça fait mal. Ah, oh, mais bon, quand on voit le résultat après, bon, voilà. » Vous n'avez même pas encore essayé la poitrine et c'est pour l'année prochaine. La poitrine, vous allez déguster, non ? Il paraît que, bon, puisque vous avez deux experts avec vous, il paraît que la poitrine est plus douloureuse pour les hommes que pour les femmes. Alors, est-ce que c'est vrai ? Alors, Fabrice, la poitrine, ça vous a fait mal ou pas rapidement ? Droite-gauche, ça va, c'est le central. C'est tout ce qui est sternum qui est absolument atroce. C'est... Alors, j'ai pas la chance parce que ça fera mal alors. D'accord, voilà, c'est ça. Guimau, vous confirmez ? Moi, je te le confirme en tant que récemment tatoué sur le plexus solaire de vendredi par ma copine Nag. Oh, ouais. J'ai mon ami Alexander qui m'a fait un poke, donc c'est sans machine, méthode traditionnelle, vraiment au milieu du plexus, ça a été. Et là, je t'avoue, le plexus solaire vendredi, c'est pas agréable, quoi. Bon, d'accord. Bon, j'ai 2 ans quand même. Ma collègue Faustine, qui fait beaucoup entre les seins, pas mal de clientes, me
me disait ce matin, on en parlait justement, et elle me disait qu'a priori, c'est moins douloureux chez les femmes que chez les hommes à cet endroit-là. Bon, vous nous tenez au courant, Virginie, surtout. Hein, pas de soucis, d'accord, merci beaucoup. On vous embrasse, merci Virginie pour votre appel. Et puis alors, deux informations que nous a laissées également Bernadette au standard. Il est important de préciser qu'une femme tatouée dans le bas du dos n'aura pas le droit à la péridurale. Ça, voilà, certains n'y pensent pas, donc on vous le dit, mesdames, parce que c'est quand même pas inutile la péridurale quand on est sur le point d'accoucher. Et il faut aussi attendre 4 mois après un tatouage pour faire le don du sang. Ça fait partie effectivement des informations pratiques qu'il fallait vous livrer. Quelques secondes, hein, quelques minutes, vraiment toutes petites minutes pour nous poster vos dernières photos. À tout de suite sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Vraiment, mais parfois, on aimerait tellement, en dehors du fait de vous savoir, évidemment, de l'autre côté du poste ou RTL.fr, on aimerait tellement que vous veniez dans ce studio. Il va falloir qu'un jour, on organise ça aussi, pour vous accueillir. Vous êtes très, très, très nombreux, mais dans ce studio, car il s'y passe des choses. Et aujourd'hui, donc, avec nos invités, nous parlons donc des tatouages. Et alors, on parlait des tatouages ratés. Ça arrive qu'un tatouage soit raté. Et alors là, on avait un festival de tatouages ratés dans ce studio. Non. Et pourtant... Ah non, c'est vrai, pardon. Pas Fabrice. Mais vous, Gumeau, qui êtes tatoueur du côté de Boulogne-Billancourt. Et vous, Nicolas Brulez, en fait, vous avez des tatouages ratés. Ça arrive. Ouais. Oui, mais c'est difficile, non ? Les premiers jours, c'est un peu difficile. Et après, on finit par l'oublier. Moi, je ne vois pas toujours mes tatouages. C'est-à-dire qu'en gros, je passe mes journées avec les manches et le soir, je les vois, je les redécouvre un peu. Puis après, on assume. C'est le plus important. Et vous, quelle est la solution quand un tatouage est vraiment raté, Gumeau ? Après, est-ce qu'on peut l'enlever, l'effacer ? Il y a ce que nous on appelle les bousilles, c'est-à-dire ce qui rappelle les vieux tatouages de bagnard, de forçat. Ah, c'est différent. Comme ça. Je peux avoir un petit peu sur. Celui que vous venez de nous montrer là, c'est ça ? Ouais, j'ai des vieux masques. Bon, après, c'est parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'encre qui a mal vieilli aussi. D'accord. C'était les anciennes encres qui se diffusaient un petit peu plus qu'aujourd'hui. Après, ça peut arriver effectivement qu'il y ait un tatouage complet raté. Faut y aller quand même. Mmh. Après, qu'il peut y avoir des petits ratés sur un tatouage, bah il y a la solution de recouvrir. Après, voilà. Nous, ça, on voit souvent des clients qui viennent pour se faire recouvrir des petites pièces. D'accord. Voire même des pièces un peu plus imposantes. Après, ça, effectivement, là, on part sur des... ça peut être des cuisses complètes, des dos complets, des ventres complets, des bras complets. En fait, quand on a un tatouage raté, c'est plus problématique que quand on en a plusieurs. Comme vous me montriez vos jolies petites fleurs, là. C'est très mignon, c'est ravissant, ah oui, Nicolas Brulez. Ça peut être mignon de loin, effectivement. Après, mais vous en avez tellement que finalement, vos petites fleurs se promènent sur. Ça fait plein de petites erreurs qui se promènent au milieu des autres. Mais des toutes petites. Tous les jours, je me dis, si j'arrive à supporter ces erreurs-là sur ma peau, je peux accepter de ne pas être parfait, je peux accepter l'erreur aussi chez l'autre. Ah, donc il y a de la philosophie aussi derrière le fait de garder. Alors après, on se fait un storytelling. Oui, on se raconte un peu le truc, on se raconte les choses. On se convainc. Mais voilà, moi j'ai réussi à me convaincre de ça, donc pour l'instant il n'y a pas de recouvrement et pas de laser. Comment ça se passe une séance pour ceux qui auraient envie de succomber au tatouage Gumeau ? Est-ce que ça dure longtemps ? Combien ça coûte ? Enfin, comment ça se passe ? Alors là, moi je vais parler de la manière dont nous on travaille avec Faustine au Philacter. Je pense qu'on fait partie de ces tatoueurs qui, nous, on a besoin de prendre le temps de voir le client, de se poser avec lui, de discuter. En tant que personne qui se fait tatouer aussi, moi je sais que c'est vraiment important pour moi la relation avec le tatoueur. Si j'ai pas de feeling avec la personne, je crois beaucoup au fait aussi que quand on tatoue quelqu'un, on transmet quelque chose en termes d'énergie. Mmh. Et se faire tatouer ou tatouer quelqu'un à qui ça passe pas, pour moi c'est transmettre des mauvaises choses. Donc faut pas y aller. Et après, nous on travaille beaucoup sur de réfléchir avec lui vraiment à ce que le dessin soit le plus personnel possible pour le client. Et après, en termes d'organisation, ça va être la prise de rendez-vous, bien lui réexpliquer, de bien dormir la veille, de bien manger avant de venir, d'être en forme, de ne pas boire d'alcool, de vérifier qu'il ne prend pas certains produits type anticoagulants ou choses comme ça. D'accord. Pas qu'il fait pas d'allergie. Après, on a tout ce qui est décharge et compagnie. Et puis, après, le prix, ça dépend les salons. Il y en a qui travaillent à la pièce, il y en a qui travaillent à l'heure, il y en a qui travaillent à la demi-journée. Mais un petit tatouage de manière générale, on est à peu près tous pareils sur un tarif horaire de 80€ minimum. Ok. Et en une heure, vous faites quoi ? Ça dépend. Par exemple, Faustine, avec qui je travaille, c'est une Formule 1. Donc, elle est capable de vous faire un avant-bras en 3 heures. Wow. Moi, il va m'en falloir 6. Et voilà. Après, ça dépend du travail qu'on fait. Il y a ceux qui travaillent aussi en très gros, avec des grosses aiguilles, donc des gros traits, des gens qui travaillent plus finement,
Donc il faut se renseigner, en fait, pousser la porte d'un salon de tatouage et se renseigner. Bien regarder le travail des tatoueurs avant de pousser la porte d'un salon aussi pour pas y aller pour rien. Voilà, et puis s'il y a un raté, va être capable de l'assumer. On l'aura compris. Mais si on va se retrouver dans un instant, on va tirer au sort. Alors qui est la main innocente? Je veux la main la plus tatouée. Allez hop, c'est Gumeau. Allez, à tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait. Alors, vous avez participé à notre concours. Gumeau, c'est vous la main innocente, figurez-vous, ça vous est jamais arrivé ça. Hein, et alors, allez-y, tirez au sort donc une photo d'un tatouage que nous avons reçu et donnez-nous le nom de la personne qui a gagné. Laura. Et Laura, c'est sur Twitter? Alors, Laura, c'est Insta Laura avec deux A à la fin. Très bien, merci Insta Laura. Alors justement, vous allez sur Twitter, vous vous rendez sur Facebook, vous nous mettez vos coordonnées en message privé, vous n'hésitez pas. Et vous avez gagné, sachez Laura, la cube de Polaroid. C'est une toute petite caméra vidéo en forme de cube. Elle est ici, si vous allez sur RTL.fr, elle est géniale. Vous voyez, elle est toute petite, vous pouvez l'emmener partout. Elle filmera tous vos exploits sportifs et bien d'autres choses. Ça part chez vous, c'est un cadeau de la part d'RTL. Merci en tout cas à vous messieurs pour ce bon moment passé en votre compagnie. Vous allez pouvoir vous rhabiller Fabrice. C'est gentil. Ce qui fait un petit peu froid dehors quand même, hein, parce qu'on pourrait donner l'illusion que ça réchauffe, mais pas tant que ça. Non, mais ça va dans le studio, il fait bon. Merci Fabrice, j'espère qu'on vous reverra bientôt donc, et dans ce studio et également sur les écrans ou alors au théâtre, dans des films d'époque, on saura que vous êtes en fait vachement tatoué en dessous. Gumeau, merci beaucoup. Un petit clin d'œil à ceux avec lesquels vous travaillez à Boulogne. Ouais, bah Faustine, au Philactère, Caro, et puis mes amis aussi à Biribi, à Lyon, Noé, Vincent, Paolo, Tony et tout. Vous en avez beaucoup comme ça ou pas? Parce que là, le temps presse. Ok, merci Gumeau. Et puis Nicolas Brulez, votre livre Street Tattoo, le tour de France des tatoués chez Tana Édition, je vous le conseille. Fabrice, un dernier mot? Oui, parce que c'est tout le même tatoueur qui m'a fait ça et que je veux juste lui faire un coucou. C'est mon Boris qui tatoue à French Graffiti à Paris. Très bien. Voilà, parce que je n'ai qu'un seul tatoueur. Très bien, un seul tatoueur. C'est allez, ça. Et nous, on se retrouve demain à 15h sur RTL en direct. On se posera tous cette question. Que ferions-nous s'il nous restait 100 jours à vivre? La première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est de s'enfermer avec les personnes que l'on aime. Mais n'aurions-nous pas soudain l'occasion de vivre nos rêves, de dire ce que l'on pense, de faire des folies, de poser des actes, de se faire tatouer, tiens, de prendre des engagements? Avec nous, le philosophe Charles Pépin qui nous éclairera comme à chaque fois. J'attends toutes vos réponses et vos réflexions au 3210 et sur les réseaux sociaux. Le compte à rebours, ce sera donc demain à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité et surtout votre participation au jeu. Aujourd'hui, vous nous avez sidérés depuis hier sur les réseaux sociaux. À demain, je vous embrasse.